Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarif réduit, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo pour profiter de toutes les promotions, et d'ailleurs, le FIFA 22 est à seulement 46,19€, mais également les cartes PSN à 50€ sont à seulement 43,99€, alors faites-vous plaisir, il reste que quelques heures pour tenter de remporter le jeu de votre choix avec le jeu concours Instant Gaming, donc n'hésitez pas à y participer, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Y'a tout le monde, ça fait Nerick et on se retrouve pour des invocations sur le jeu Dragon Ball Legends. Ça y est, le Kid Gohan en duo avec Piccolo en revive est arrivé, accompagné du Nappa. Alors voilà, on va faire des petites invocations. J'ai 7023 cristaux free to play. On les a farmés ensemble durant ces derniers jours. Et du coup, franchement, on peut le dire, le jeu est quand même généreux. Hein. Voilà, je vous montre, hein, j'ai pas utilisé de promo ou quoi que ce soit. C'est vraiment des cristaux qu'on a farmés ensemble en live. Et on va espérer, eh bien, du coup, d'avoir le nouveau Nappa ou le Kid Gohan. Alors, on va aller voir vite fait le détecteur. Si jamais on a un Kinto, on a un nuage magique qui arrive, on a le Kid Gohan. Du coup, forcément, le Nappa. Le Nappa, franchement, les gars, il a l'air vraiment très très fort, comme j'ai pu vous le dire hier en live. On a également le Kid Goku GT de type bleu, le Kid Goku SSJ3, je ne l'ai pas. Voilà, c'est un des seuls persos qui me manque, il me manque lui, et il me manque le Freezer LF de type jaune. Donc si on pourrait avoir le Kid Goku SSJ3 GT, soit le bienvenu. Il y a également Majoub, très bonne unité, le Jiren EX vraiment très très fort, et voilà, on revient sur le Kid Gohan. Donc voilà les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus sur cette vidéo, on est parti pour aller invoquer. Je pense qu'on se retrouvera peut-être en fin de soirée, si j'ai le temps, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Si j'ai le temps, on se retrouvera en fin de soirée en live sur la chaîne YouTube. Mais au pire des cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ira en live sur la chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a du FIFA à faire, les gars. Il y a du FIFA. Merci EA Sports de m'avoir donné le FIFA hier pour tous ceux et toutes celles qui étaient en live sur la chaîne Twitch hier quand on a regardé le film Dragon Ball Z. Eh bien, du coup, j'ai bien reçu mon jeu de la part de EA Sports. Donc ça, ça fait plaisir. Allez, les amis, on va d'abord commencer par la petite single. Yeah ! Allez, c'est parti. Let's go. Le jeu, s'il te plaît, fais-moi plaisir sur une single, ça serait bien. Ou pas, voilà, une capsule. Bon, bah, je pense que ça, on va pouvoir passer, hein, voilà, un héros. Et, voilà, c'est normal, c'est la single, d'accord. Ça, c'est juste pour me dire bonjour dès le matin, tu vois, ou pas. Allez, let's go, on est parti. 7000 cristaux, donc ça fait 7 multi à faire gratuitement. Voilà, des multi gratuits, donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. 3, 2, 1, yeah! Et en plus, hier, j'avais oublié, mais avec vous en live, j'ai récupéré encore des cristaux ce matin dans le tournoi du pouvoir, le mode de jeu tournoi du pouvoir. Donc ça, pour le coup, c'était plutôt pas mal, j'ai oublié de les récupérer hier. Ok, SSJ, glissé rouge. Donc là, il y a EX garantie, Sparkling garantie. Sparking Guarantee. Ah bah oui, mais c'est normal. All-Star, c'est pas Sparking Guarantee à chaque fois sur le dernier personnage. Je crois que c'est ça. Donc c'est normal. En fait, on va avoir à chaque fois le Sparking Guarantee. J'ai tellement l'habitude maintenant des step-up et tout ça que c'est un truc de ouf. Ok, pour l'instant, c'est éclaté au sol. Ça serait bien qu'on ait un petit Sparking maintenant. Bon, on va pas l'avoir. On va l'avoir que à la fin. Mr. Satanda. Ok. Le Goku Hero. Le EX. Kid Goku. Et là, je pense que normalement, on arrive au Sparking. Ok. Metal Cooler, très bonne unité. Franchement, Metal Cooler type vert, très très bonne unité. Ça casse de la bouche, donc on prend. Ok, on prend. Oh, en plus, bah voilà, il monte en étoile. Il passe à 13 étoiles pour les stats du personnage. C'est vraiment très intéressant. Ok. Bon, Metal Cooler pour la première. Je prends. Je prends, mesdames et mesdames, messieurs. Allez, vas-y, s'il te plaît, là. Fais-moi tomber, genre le Kid Gohan avec Piccolo. Franchement, l'animation, je la kiffe de ouf. Ou fais-moi tomber aussi Nappa, tu vois. Moi, j'aimerais bien le jouer avec le Vegeta, Ozaru, LF, tu vois. Allez, 3, 2, 1, yeah! Allez, c'est parti. Let's go. Ish, ish. 3 capsules, Namek en feu. Pas d'ECJ. On peut pas avoir Broly. Hein. L'animation Broly, il n'y a pas de LF. Donc, voilà. Il se fait déboîter. Très bien. Yeah! Genki Dama, les gars. Le Genki Dama peut annoncer du lourd. Ça peut annoncer du lourd. Ça peut annoncer du lourd. Est-ce qu'on peut avoir deux Sparking?
Bien sûr qu'on va en avoir deux. Jubaida, j'ai déjà 14 étoiles. Mais bon, c'est pas grave. J'ai deux sparkings. Puisque le dernier tirage, c'est un sparking obligatoire. Donc, quand tu as d'autres sparkings avant, c'est pas mal. Ok. Kid Gohan. Mais c'est... Je veux pas EX. Je veux sparkling. D'accord, c'est... Voilà. Sparking, c'est mieux. Bien réussi. 3 sparkings. C'est 18. Ok, on prend. D'accord. 3 sparkings, franchement. 4! Je prends. Broly, SSJ, je prends, les gars. Ah, franchement, incroyable. Là, on va avoir 4 sparkings. Je suis choqué. C'est pas mal, ça. Kakunsa. D'accord, ok, je croyais qu'on allait avoir 5. Oh purée, bon, 4 sparkings dans la multi. Le Broly qui passe 9 étoiles, pareil pour les stats, c'est vraiment bien. D'ailleurs, à mon avis, 9 étoiles, ça doit commencer à cogner sévère, là, le Broly. Faudrait qu'on aille le tester aussi en live, les amis, en PVP. Ça doit être vraiment pas mal, hein, parce que c'est vrai que je ne joue pas assez, mais du coup, maintenant qu'il est 9 étoiles, ça peut être intéressant. Bon, et 4 sparkings dans cette multi. C'est pas dégueulasse. Je rappelle quand même que c'est avec des cristaux gratuits. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des invocations gratuites, là. On va pas se plaindre. Merci, Toshi. Maintenant, s'il te plaît, kit de Gohan en duo avec Piccolo, Revive. Ça me plairait bien. Voilà, 3, 2, 1, ok! Ou Nappa, hein, voilà, ou Nappa, on prend aussi. Ou les deux, voilà, tu fais comme tu veux. Voilà, l'espace. SCJ, l'espace, très bien. Ok, ça se neutralise. Glisser rouge, ok. Ok, il le fuit. Pas de Genkidama cette fois. N'empêche, vous remarquerez, juste avant le Genkidama, 4 sparkings quand même. Je dis ça, je ne dis rien. C'était quand même pas mal. Ok, EX. Videl, très bien. Beaucoup SCJ, on s'en fout. Slug, on s'en fout. C'est pas... Thales, on s'en fout. C'est pas foufou, là. Hein. Rikum. Ok. Jaco. Raditzu. Kid Trunks, Transfo. Pas mal, type vert. Pas mal, pas mal. Franchement, une unité vraiment intéressante. Alors, j'ai combien d'étoiles, moi? Ah oui, j'ai quand même 13 étoiles. Ah oui, quand même. Ah oui, monsieur. Quand même. J'avoue que c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal. Allez. 3, 2, 1. Yeah, c'est parti. Allez, le jeu. Fais-moi plaisir. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. 5 capsules. Ok. SCJ. Pas de Namek en feu, mais 5 capsules SCJ. Et le défonce. Défonce-le bien. Défonce-le bien et part chercher Kid Gohan ou Nappa. Ou Kid Goku GT SCJ 3. Ça serait pas mal. Sparking, ok. Logique, hein. En fait, ce qui serait bien, c'est de voir un Trunks ou un Badak ou un Kintone. Tu vois, tu sais que là, tu vas avoir du lourd. Ah ben voilà! Tu sais que là tu vas avoir du lourd. Et ben voilà. Voilà. Nappa, les gars. Pam pam. Voilà. Sur des invocations gratuites. Merci Toshi. On a bien fait, les gars, de farmer. Ça fait combien de temps? Ça fait une dizaine de jours qu'on farme tous les jours en live. Bah du coup là j'ai farmé pour quelque chose. Oh, Ludivine, elle va être vénère. Parce que la dernière fois qu'elle a farmé, elle a rien eu. Voilà, moi ça me donne. Et encore, j'en ai un deuxième. Il y a 2 sparkings dans celle-là. Max de pouces bleus, les frérots. Max de pouces bleus en mode Genkidama. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On est bien. On est bien. Là, je suis content. Il n'y a plus qu'à avoir le kit de Gohan avec Piccolo en revive. Et on est aux petits oignons. Let's go. Gogeta EX, on prend. On prend. Franchement, on prend. Ok. Vegeta. Deuxième. Lee Shenron, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on va pas se plaindre. On a eu le Nappa gratos, les frérots. Ça, c'est bien. Pour le coup, c'est vraiment très, très bien. Franchement, je suis content. Là, je suis content parce qu'en plus, il est super fort. Et surtout, c'est un Legends All-Star. Et du coup, qui dit Legends All-Star, les frérots, dit forcément que tu peux le monter à 6 étoiles en payant 2000 cristaux. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, je cherche même pas à comprendre. Voilà, je paye, comme ça j'ai plus qu'à faire l'émission qu'on ira sans doute faire
en live en fin de soirée, si j'ai le temps, hein, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire, comme j'ai pu vous le dire. Et puis en plus, ça va, c'est voilà, dépenser des énergies ou faire des combats. Ça va, franchement les gars, c'est plutôt pas mal. Et ça nous permettra du coup d'aller le tester à 6 étoiles. Chose que je vais faire. Hein. Alors attendez, je vais juste le mettre en entraînement et puis on va aller faire du coup la dernière invocation. Hop, let's go. Voilà. Allez, pars en entraînement. Pars en entraînement, mon coco, on verra ce que tu vaux. On verra ce que tu vaux. Tirage. Let's go, les frérots. L'ultimate invocation pour le Kid Gohan. D'accord, Kid Gohan en duo avec Piccolo-san. S'il te plaît, fais plaisir. Ou donne-moi le Kid Goku GT CJ3 également. Je dirais pas non. Hein. Voilà. Il n'y en a pas, c'est bon. Là, lui, je l'ai pas. Je l'ai pas et j'aimerais bien l'avoir. C'est, voilà. Si tu peux me le donner, Toshi, tu serais bien aimable. Let's go. 3, 2, 1. Ike ! Allez, c'est parti. Let's go. Frérot, fais plaisir. 5 capsules. Très bien. Pas des CJ. S'il te plaît, le jeu. Ça se neutralise. Petit glissé bleu. Ok. Ok. Whis ? Whis ? Non, même pas. Fake out, peut-être. Peut-être des fake out, hein. On aime, nous, les fake out, ici. Donc, voilà. De toute façon, c'est sûr, à la fin, il y aura un fake out, quoi qu'il arrive, dans ce parking. Mais si on peut en avoir deux, ça serait pas mal aussi. On prend, tu vois, on prend. Ok. Goku. Freeze. Fake out ! On l'a dit ou pas ? On l'a dit ou pas, le fake out ? Alors, Black Goku Transfo Rosé, très très bonne unité, mais j'ai déjà 14 étoiles. Et mais très très fort. Mais on l'avait dit, le fake out. On est habitué. Deuxième fake out. Voilà. Hein ? Alors ? Alors, quand j'ai dit Kid Goku, j'étais SSJ3. Il n'est pas passé chez Franck Provo, là. Tu vois, il faut... SSJ3, s'il te plaît. Troisième fake out. Alors, les frères ! Freezer, Transfo, Golden. On prend. Eh, franchement, c'est pas mal. Pour une animation de merde, franchement... Jubaida. Jubaida. Et ça y est, du coup, pour une animation de merde, 4 Sparking. Bon. On n'a pas eu le Kid Gohan. C'est pas grave. On retentera plus tard. Hein. Voilà, on va récupérer des cristaux, etc. Il y aura même un duel invocation contre le Divine, je pense, samedi. Donc voilà, en vrai de vrai, putain il me reste 3 cristaux, en vrai de vrai, franchement je suis plutôt content, j'ai eu le Nappa, on a quand même fait des invocations plutôt intéressantes avec 4 sparkings à chaque fois, la deuxième multi-invocation je crois, j'ai eu 4 sparkings, là c'est pareil en mode fake out, tu vois, le roi des fake out, vous connaissez, en tout cas voilà, on se retrouvera en live sur la chaîne YouTube, peut-être aux alentours des 18h, sinon on basculera directement sur la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à activer la cloche, que ce soit sur YouTube, mais également sur Twitch, je rappelle que le lien est dans la description de cette vidéo, mais également le lien Instant Gaming, voilà les amis, merci à vous pour cette vidéo, on a eu le Nappa, on ira le tester, bien évidemment, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités, ciao. Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Non, yeah.